à mon aide. Seigneur, à notre secours, puis ma prière devant toi s'élève comme l'encens, et mes mains pour l'offrande du soir. Puis ma prière devant toi s'élève. Je t'appelle, vite viens à moi, écoute mon appel quand je crie vers toi. Puis ma prière devant toi s'élève comme l'encens, et mes mains pour l'offrande du soir. Établis, Seigneur, et veille sur la porte de mes lèvres. Puis ma prière devant toi s'élève comme l'encens, et mes mains pour l'offrande du soir. Gloire soit au Père et au Fils, et gloire au Saint-Esprit pour les siècles. Avoir vu, nous le croyons, Christ accomplit la promesse, Christ est vraiment ressuscité, il est pour nous renaissance. L'Esprit du Fils en est témoin, ardent désir vers le élevé d'entre les morts et nous entraîne dans sa gloire. Christ en sa chair est exalté, il est pour nous l'espérance. Pourquoi chercher parmi les morts les cœurs vivants de la terre? Alléluia. Que nous sentons lever comme un soleil illuminé, Christ en nos cœurs jaillit le feu, amour brûlant de la Pâque. Sur nos chemins soit le flambeau qui en la nuit fait violence. Soyez sans peine, j'ai vaincu le monde, alléluia. Soyez sans peine, j'ai vaincu le monde, alléluia. Auprès du Seigneur, j'ai mon refuge, comment pouvez-vous me dire, oiseaux, fuyez à la montagne. Voici que les méchants tendent l'arc, ils ajustent leurs flèches.
Jésus
soit béni, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant que le monde fût créé pour être saint et sans péché devant sa face grâce à son amour. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi l'a voulu sa bonté, en la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. En lui, par son sang, nous avons le pardon des péchés. C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous en toute intelligence et sagesse. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Il nous dévoile ainsi le mystère sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Béni sois-tu, notre Père, qui nous a de l'Épître aux Hébreux. Le grand prêtre que nous avons s'est assis à la droite de Dieu et règne avec lui dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente dressée par le Seigneur et non par un homme. Le grand prêtre a toujours été chargé d'offrir des dons et des sacrifices. Le Père vous enverra un défenseur, l'Esprit qui vous enseignera lui-même. Il vous rappellera toutes nos paroles. Alléluia. Misericordia eius a progenie in pro.
Ô Christ, lumière sans déclin, alors que le jour baisse, reçois le sacrifice de notre louange et notre prière. Ô Christ, toujours vivant dans ton Église, conduis-la par ton Esprit à la plénitude de la vérité. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Roi de la création nouvelle, tourne nos désirs vers le monde à venir. Sauveur du monde, révèle ta miséricorde à ceux qui connaissent la maladie, les épreuves et la mort. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Vainqueur de la mort, reçois nos frères qui ont quitté ce monde et montre-leur ton visage. Reste avec nous, Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies, par Jésus le Christ notre Seigneur. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier, qu'il garde parfait sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu fidèle qui vous appelle gloire et louange pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur.